trop remis l'oxy jusqu'à ce que cela allait tégal ni mbokk ginaaw bima len nuyo jox len sen waccu waya di len wax ne dewenati genn nañ ci magal ak jam dañuy ñëwaat également ak benen édition di len wax encore une fois n'hésitez pas à abonner foko defagut yow mi nga xamné abonné nga également ma nglay encourager encore une fois ngay gën di découvrir sama vidéo aussi édition bi ñu wara dugg ci ginaaw biñu gëné ci 15e édition bi dañuy ñëw sur la 16e édition bi nga xamné c'est une année vraiment particulière ndax biñu gënné ci 15e édition bi comme lima leen wax rek day am 4 ans consécutifs yo nga xamné 4 années consécutives yo nga xamné Hollande day mom le toit d'Europe ndax ginaaw 15e édition biñ ci joggé ki nga xamné moy Feyenoord Rotterdam da koy jël mais aussi les 3 éditions yi nga xamné ñom ñoo ci téggu Ajax day wané sa suprématie donc buñ ñëwé à la 16e édition en 1970-1971 c'était 33 équipes ñom ñoo participé won finalement ma nga amé won ci Wembley fele ci Angleterre avec comme meilleur buteur Antonis qui a 10 réalisations mais on verra pour la première fois une qualification se décide au tir au but. Everton day éliminer qui dit Borussia Mönchengladbach par 4-3 ginaaw biñu défé aller ak retour 2 buts partout donc aussi dañuy gis né règle bobu dañ koy appliquer à tous les tours en demi finale dañuy ñëw avec Panathinaikos bi nga xamné qui dit Frank Puskás mo nek entraîneur bi ñu bari xam nañ Puskás il a été champion avec le Real de Madrid Puskás c'était mon nekone dananu Hongrie bi l'époque de 50 ba 54 donc mom mo indi won équipe grecque bobu Panathinaikos en demi-finale mu dal di gagne Étoile Rouge Belgrade donc score cumulé 4-4 lan def mais liko may chance mu accéder à la finale c'était le but à l'extérieur bi nga xamné dugalon nako 4-1 lan ko gagne après mu gagné ko 3-0 donc Panathinaikos nek premier club grec bi nga xamné qualifié na en finale benen demi-finale bi ñi nga am ki nga xamné moy Ajax Amsterdam mom mo génn Atlético de Madrid par 3-1 score cumulé donc en finale on verra une finale entre l'Ajax Amsterdam ak les Grecs de Panathinaikos dirigé par le coach Frank Puskás mais pourquoi finale bi nek ben finale bu exceptionnel vous allez le découvrir ndax dañuy gis né Ajax dafa perdre championnat bi ndax Feyenoord Rotterdam mom mo koy jël aussi dañuy gis né Ajax il a besoin de gagner cette coupe des clubs champions ndax Ajax qui a dans ses rangs le grand Johan Cruyff donc pourquoi pas avec une telle équipe bu wara mëna accéder mëna remporter la finale mais attention il fera face à une équipe amenée par Frank Puskás qui a de l'expérience mom tamit ndax jouer na fi gagner na coupe des clubs champions donc wara tagat ñi di équipe bi ni nan Panathinaikos donc bi ñëw c'était le 2 juin 1971 ci la finale bobu amone Ajax ak Panathinaikos Ajax daal di koy gagner par 2 buts à 0 donc c'était à ce moment là l'Ajax de Dick Van Dijk mom mo dugalon à la 5e minute après bi ñëw ci seconde période bi Panathinaikos daal di def kon sokan muy 2-0 té ci finale bobu dañu gis deux périodes yi nga xamné c'est différent ndax deux Ajax lan bi première période bi Ajax méconnaissable deuxième période bi Ajax daal di ñëw daal di résumer match bi daal di koy nax daal di koy gagne d'ailleurs même les fameuses déclarations de Frank Puskás mu né mon équipe a joué pendant 70 minutes donc 70 minutes yépp il était accroché kanamu Ajax mayuko jam mais par la suite l'expérience daf ko mujjé gagner donc Ajax daal di gagner ki nga xamné mom moy Panathinaikos sur la marque de 2-0 et pourquoi cette Ajax là était exceptionnel mo tax li tax mu jëlone triplé bobu 3 années consécutives mu koy gagner parce que dafa amone ben football bu fa amone là-bas à l'Ajax Amsterdam un football que tout le monde attaque tout le monde défend donc lolu mo amone fele ci Ajax lolu tax l'édition la 16e édition Ajax Amsterdam daal di gagner ci Panathinaikos par 2-0 c'était le Panathinaikos de Antoniadis moy le meilleur buteur de cette édition donc vous ñëwé à la 17e édition encore dañuy gis Ajax Amsterdam daal di ñëwaat
Dadi Dan Tidi Inter de Milan. Donc 17e édition bi 33 équipes aussi mom ñom ñoo participé fan la finale bi amé c'est Stade Feyenoord Stadion. Donc dañuy gis né Ajax mu wara finale fan la finalo ci Stade Feyenoord comme si mom recevoir ndax min na Stade bi machallah mais avec comme meilleur buteur Sylvester Takac et Luma Kari avec ses deux qui ont 5 réalisations. Donc vous ñëwé en demi-finale Ajax Amsterdam day génné ki di Benfica par 1-0 score cumulé. Inter ak Celtic dañuy def 0 bi partout ci ñaari match mais tiro bi loxoy Inter di gagne par 5-4. Donc vous ñëwé à la finale le 31 mai 1972 Ajax Inter de Milan. Mu nekkon ben finale bu exceptionnel machallah. Donc dañuy gis Johan Cruyff dañ ko don marqué de près par un jeune qui a 19 ans. Mom moko don marqué qui s'appelle Gabriel Orealy. Donc mom mo don marqué le génie néerlandais bi Johan Cruyff. Donc mu nekkon premier mi-temps ba xamné Inter dafa ñewon maîtriser match bi par sa tactique bien sûr. Mu ñeu taxaw maîtriser match bi tek équipe ba machallah mu dali taxaw. Donc bi mu taxawé 0-0 première période. Johan Cruyff sayout ndax Gabriel Orealy marqué nako marquage serré xalé bu am 19 ans machallah day am katan bi physique bi da ci né mais l'expérience face à la jeunesse lañu gis en seconde période ndax dañuy dugg bi dès la 47e minute Johan Cruyff dali dougal avant muy corté addition mais à la 78e minute dadi Ajax dadi gagner ki di Inter de Milan par 2-0. Donc à ce moment c'était l'Ajax de Johan Cruyff, de Ruud Krol, hein, de Johan Niskan mom mo gagné kan ki di Inter bu le jeune Gabriel Orioli ak le saint le grand Mazola. Donc muy 2 années consécutives ya nga xamné Ajax Amsterdam day gagner Ligue des Champions. Donc vous n'êtes que 18e édition, moi 1972-1973. Bon aussi, on verra que Ajax Amsterdam dégnoit dans les triple A. Donc vous devez triple A, dégnoit dans les box clubs qui ont gagné la Coupe des clubs champions pour 3 années consécutives après le Real Madrid. Donc 30 équipes également nous avons participé. Finalement, nous avons été Stade Étoile Rouge Belgrade avec comme meilleur buteur Gerd Müller. Gerd Müller mo nekkon danan bi nga xamne mo nekkon République fédérale Allemagne de l'Ouest fa la nekkon fofu non. Donc c'était un attaquant du Bayern de Munich mom mo amone 11 réalisations. Donc bu ñëwé l'Ajax réussit aussi l'exploit de remporter 3 fois de suite la Coupe des clubs champions mais avec un nouveau club qui est Olympique de Marseille. Donc en demi-finale dañuy gis Juventus day daanel ki nga xamne moy derby Kanté par 3-1 score cumulé. Ajax daal di génné Real de Madrid 3-1 momit score cumulé. La finale, c'était le 30 mai 1973. Ajax daal di génné ki di Juventus par 1-0. Et vous le savez à ce stade-là. Ajax dafa amone ben forteresse, une forteresse vraiment exceptionnelle. Dalay marqué dougal la sur le dougal lay doko jeli 1-0 loko dougal à la 4e minute un but de Johnny Rep du top ci di ci daw ba match bi jeex. Donc en ce moment là l'époque du 18e édition c'était l'Ajax de Johan Niskens ak Ruud Krol qui faisait face à une équipe dirigée par le gardien le talentueux gardien muy Dinozo ak Francisco Mourinho. Donc en 1972-73 Ajax Amsterdam est remporté la cette Coupe des clubs champions pour la 3e fois consécutive. Donc en résumé, lors de l'édition Thaï qui est spécial Ligue des Champions sur votre chaîne Kentenpon TV. Bok, de la voir cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à abonner mais aussi à liker et partager. Donc c'était votre Olivier Xavier Maestro di len jox dox dajé benen yoon ak benen édition spéciale Ligue des Champions. Demna de.